Vas-y, y'a pas de jouer, Ellie. Ça marche. Non, la foutue chaîne est bloquée. Attends. Hey. Voilà. Ok. Bien joué, Ellie. Aide-moi à l'ouvrir. Voilà. C'est bon. Allez, c'est parti. On dirait. C'est ça. Merde, pas de bouffe. De vieilles godasses. On se casse. Qu'on atteigne le pont. Ok. Bon, au moins, ils ont tué le couple. Merde, Joël. J'étais sûr qu'ils avaient réussi à quitter la ville. Reste plus qu'à trouver les deux du pick-up, maintenant. Ouais, j'espère qu'il y avait une putain d'armée dans ce pick-up. Comment ils ont fait pour fumer toute l'équipe, là-bas? Poursuivons les recherches. Je veux que ce soit bouclé avant la tombée de la nuit. Oh! À les entendre, on dirait qu'ils ont peur de nous. Surtout, reste bien sur tes gardes. Je dis ça comme ça, mais je suis contente que tu sois de mon côté. C'était un compliment. D'accord. Mm-hmm.
Et Market Street alors? Ouais, à toute la zone. Ils les trouveront peut-être là-bas. Je chercherai même ces intrigues de son privé. Merde, ils finiront par sortir. Je crois que c'est en dehors de ça. Joël, il y a un type au premier étage, juste là. Ouais, je le vois. Pas un bruit. Ils ont fini par avoir le type et sa fille. Il reste qui? Juste le mec et la gamine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ce qui était juste derrière toi. C'est vraiment le bordel. Hey, combien de temps on est censé rester planté là à rien foutre? Je sais pas. Viens, on va aller voir les autres au bout de la rue. Flanc.
ok. Oh bon sang, la survie à tout prix. Quoi ? Ah. Le truc de la BD. Et voilà. Alors c'est comme ça que ça s'est terminé dans cette zone. Dans chaque bataille, il faut un perdant. T'imagines, s'ils avaient de la famille ? Tout le monde a une famille. Mieux vaut ne pas y penser. Comment pas y penser ? Fais-moi monter. Là, viens, Ellie. Ok. Allez. Et voilà. En voilà une autre. Ces affiches sont partout. Ouais, je l'ai vu, juste avant l'épidémie. C'est vrai ? Et est-ce qu'il lui fait la peau ? Personne ne meurt. C'est juste un film pour ados. Qui t'a emmené le voir, alors ? J'en sais rien. Allez, reste concentré. D'accord. Prenons la ruelle. Ça va, reste accroupi. Non.
pas, vous ? Non, mec, 25. Tu déconnes. Je... là. Merci. Boîte de bacon ? Attends, 24. Je viens d'en finir une. Où t'as trouvé 24 boîtes de bacon, putain ? Dans un casier militaire de l'hôtel, il y a longtemps. Ruben et moi, on est tombés dessus et on a fait moitié direct. Et il est encore bon ? Non ! Chopons-les ! Putain, mais il nous tire dessus avec quoi ? Un genre de forêt militaire ! Reste baissé ! Encore loin. 10. Continue. Je sais pas. Vous. Joël, là. Non, sympa. 25. Tu déconnes. Je te jure. T'as 25 boîtes de bacon ? Enfin, 24. Je viens d'en finir une. Où t'as trouvé 24 boîtes de bacon, putain ? Dans un casier militaire de l'hôtel, il y a longtemps. Ruben et moi, on est tombés dessus et on a fait moitié-moitié direct. Et il est encore bon ? Quand est-ce que t'en refais ? Pourquoi ? Bah, de l'avis, je veux que. Ouais. Hey, je t'ai sauvé tes claqueurs la semaine dernière. Je vais y réfléchir. J'aurais dû te laisser crever, celle-là. Oh, c'est bon. T'en fais si t'arrêtes de remettre ta poche à C'est du bacon, bien sûr que c'est bon. Chut ! Fais diversion. Thank you.
crois qu'on les a semés. Tout va bien. Ils peuvent pas nous voir. C'est quoi ça? Laisse-le tranquille. Du calme, petit. Fais pas de bêtises. Ça va. C'est pas des méchants, eux. Baisse le flingue. Oh, merde, tu frappes fort. Ouais, c'est parce que j'essayais de te tuer. Ouais, j'ai cru que t'étais avec eux aussi. Après, je t'ai vu. Vous avez peut-être remarqué, y a pas de gosses avec eux. La loi du plus fort. Tu saignes? Bon, non, c'est rien. Je m'appelle Henri. Lui, c'est Sam. J'ai cru entendre que tu t'appelais Joël. Ellie. Qui d'autre est avec vous? Ils sont morts. Hé, hey, on n'en sait rien. On était plusieurs. Quelqu'un a eu la super idée d'entrer dans cette ville pour chercher des vivres. Ces enfoirés nous ont tendu un piège. On a été séparés. Maintenant, on essaie de sortir de cette merde. On peut faire équipe. Ellie. Il faut qu'on se serre les coudes. Elle a raison. On pourrait s'entraider. On a une planque pas loin d'ici. On sera en sécurité pour parler. Ok, on vous suit. Suivez-moi. Désolé pour l'histoire du flingue. T'inquiète, j'aurais sûrement fait la même chose. Vous êtes d'où? Nous, on vient de Hartford. Vraiment? On m'a dit que c'était pas la joie là-bas. Ouais, l'armée a abandonné la zone. Alors on est parti. On va ressembler à ici. Il faut qu'on soit prudent. On est près d'un des postes de surveillance. T'es seule avec ta fille ? C'est pas mon père, c'est juste... J'ai promis à quelqu'un de veiller sur elle. Ouais. Je peux comprendre ça.
voilà. Cool. Ellie, j'ai trouvé une autre BD que t'as l'habitude de lire. Oh, cool. Attendez, taisez-vous. Écartez-vous des fenêtres. Ils sont partis. Merde, ce foutu camion. Ils nous pourchassent depuis qu'on est arrivé dans cette... Sam, qu'est-ce que tu fais ? Rien. Jette-moi ça. Mon sac à dos est quasiment vide. C'est quoi la règle sur ce qu'on prend ? Mais ça pèse rien. La règle, c'est quoi ? On prend le minimum. C'est ça. Allez, on y va. Il est loin, cet endroit. On arrive. C'est tout près. Ellie, tu nous couvres. T'as trouvé quoi ? Bien sûr. Que dalle. Sam, on dirait qu'il y avait quelqu'un. Reste avec là. Elle. Mais ils sont partis. Ok. Et où sont les autres ? Ils voulaient refaire un dernier tour, pour s'assurer qu'on n'a rien loupé. Ok. Va jeter un œil par là. J'ai fouillé cette zone. Tout va bien. Pas mal pour un vieux. Allez, sur le camion. En haut.
par cette porte. Toi qui les connais bien, tu es certain que c'est sûr? Je suis le seul qui a la clé. Et d'où tu la tiens? J'ai tué l'un d'entre eux. Il n'y servira plus. Allez, passez. C'est par là. Alors, t'as quel âge ? Moi ? 14 ans. Et toi, alors ? Pareil. Ah, t'as 14 ans. Presque. C'est ça. C'est vrai. On y est. Bienvenue dans mon bureau. Ça fait longtemps que vous vous cachez ici ? Ouais, quelques jours. Mais on a trouvé à manger. Viens. Des myrtilles ? On en a toute une réserve. T'en veux ? Non. Eh, détends-toi. On craint rien. Alors pourquoi vous êtes pas parti ? On attendait juste le bon moment. Et ? Viens, je vais te montrer un truc. Regarde ces fils de pute. Tous les jours, ils se retrouvent ici pour surveiller ce foutu pont. Mais le soir, ils sont plus que quelques-uns. Quand le soleil est couché, c'est notre chance. Vu ce qu'il reste, on peut leur passer sous le nez. Ça peut marcher. Oh, ça va marcher. Ça va carrément marcher. Ok, prête ? Aïe ! Attaqué par une myrtille. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu sourire comme ça. Elle a pas l'air de s'en faire beaucoup. Où est-ce que vous alliez ? Il paraît que les lucioles sont implantées quelque part à l'ouest. On peut les rejoindre. Ouais. Ça te fait marrer? Ben, j'ai juste l'impression qu'il y a un paquet de gens qui misent tout sur les lucioles ces jours-ci. Ouais, c'est peut-être pas par hasard. Alors, tu sais pas où ils sont et tu comptes lui faire traverser tout le pays pour les retrouver. Tu sais quoi? Tu vas me laisser m'occuper de mon frère et tu vas t'occuper de ta gamine. Détends-toi. Nous aussi, on cherche les lucioles. On est là. Il y a une station radio militaire abandonnée à l'extérieur de la ville. Les survivants de notre groupe sont censés nous retrouver là, demain. Si toi et ta fille voulaient venir, c'est cette nuit que ça se passe. On devrait se reposer un peu alors. Il dit qu'il faut qu'on y aille. On va devoir être rapide, d'accord ? Alors peu importe ce qui se passe, tu me colles. Tu me colles.
Compris. Bien, bien. Bon, tout le monde est prêt? Ouais. Ok. Vous éloignez pas, ok? T'as déjà essayé? Ouais. C'est rassurant. Relax, grand-père. J'espère que tu connais le chemin.